Ah, puis en plus, tu vois, je vois mes amis. Donc, privé. Création de la partie. Oh, oh t'arrêtes, c'est venu, c'est venu. La partie, ça s'ouvrait moins vite avant. Tu te rappelles qu'on attendait, on attendait. Là. Vous voyez la porte qui s'ouvrait tout doucement. Il y a 20 ans quand même. Hein. Ouais. Quête et le groupe. Oh la belle araignée. C'est facile, regarde. Ah, c'est R1 et R2 les sorts supplémentaires. Prêt à l'inventaire, ouais, ça va être facile. Ah, Marius, je te trouve un fou. Tyrael, mais oui, c'est vrai. Je vous reconnais, vous. Vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux, ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Oh, pardon, Tyrael, pardon. Ce n'était pas ma faute. Pas ta faute. Vraiment, Marius. Et de qui serait-ce donc la faute? C'était le rôdeur. Oui. C'était lui, Lord. Mon séjour à la citadelle des Rogues. Non, mais je peux te parler si je veux. Déjà, je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus dans la montagne. Je peux se parler, toi, c'est au-delà de la porte de l'Orient. Que désirez-vous? Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le studio. Je me rappelais le monastère et le mal qui avait emporté rêve. Pour réminiscence, mon esprit était brouillé, confus. Ces démons maléfiques m'avaient donc poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé? C'était donc lui. Cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. Il semblait lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Thank you.
de garde. Persuadé que la folie avait emporté. Une terreur de destruction. Mal en personne. Comment l'expliquer? Ces démons s'étaient-ils échappés de mes yeux? La carcasse du robot. Pourquoi? Je l'ignore. C'est le nom du groupe en plus. Réalité et cauchemar, parfois, se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours.